Yo à tous, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de vous focus. La mouche qui est en face. Oula! Attendez, le poteau. Je reviens dès que je le retrouve. Voilà, donc j'ai retrouvé la mouche. Oula là 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 là. Elle est là. Donc voilà. Cette mouche. Wow, 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 calme. Oh là 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 là, elle a essayé de me piquer. Elle a essayé de me piquer. Regardez. Stomoxys calcitrans. C'est cette mouche qui pique, regardez. On peut voir la trompe bien noire. La trompe noire au bout de sa tête. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. C'est cette mouche qui donne des anémies pernicieuses et la maladie du charbon. Voilà, vous pouvez voir la trompe. Voilà. Donc, Stomoxys calcitrans, c'est cette mouche qui pique l'été. Quand il fait lourd, elle se réfugie dans les maisons et elle vient te piquer, ces sales bêtes. Voilà. Alors, j'essaie de vous montrer d'un autre angle pour que vous puissiez. Focus, focus, focus. Et où le focus là-dessus? Attendez. Waouh, 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 elle est partie. Ah, ce que je peux vous dire, c'est que la piqûre de la mouche charbonneuse, donc Stomoxys calcitrans, elle est douloureuse. Et vous le sentez hein, quand elle pique. Ah là là. Pourquoi ça ne veut pas focus? Voilà. Là, on la voit mieux, je pense. Ouais. Vous pouvez voir la trompe à peu près. Je pense que vous la voyez, la trompe. Juste au bout de la tête, là. Voilà. C'est le rostre de la mouche charbonneuse pour piquer ses victimes et prendre leur sang. Voilà. Bon, bah, les potos, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Sur cette magnifique image. Et puis, je vous retrouve. Demain, tout à l'heure, pardon, pour le bulletin météo. À tout à l'heure.